Bonjour à tous, welcome Indosia pour une nouvelle vidéo sur Shadow of the Tomb Raider. Aujourd'hui, on se retrouve à Cozumel pour récupérer les caches de survie. Alors, dans un premier temps, on va récupérer le sac à dos d'explorateur qui vous permettra d'avoir les emplacements des caches de survie dans Cozumel. Donc ce sac à dos, c'est un petit peu particulier pour le récupérer. Il faut mettre une corde, donc on arrive là. Et de là, il faut arriver sur cette façade où on va descendre en rappel. On va se balancer pour pouvoir accéder à l'espace qui est dessous. Et donc le sac à dos est juste ici. Ensuite, donc la première cage de survie. Donc là, je vous les mets dans l'ordre où je les ai trouvés. Donc on est ici. Là, on fait un petit bond par ici. Alors c'est assez sombre parce qu'on est dans les grottes, hein, mais on la voit briller. Et là, on récupère donc la première cache de survie. Ensuite, pour la seconde, on va partir d'ici. Et là, on va aller sous l'eau. Donc là, on va plonger. On plonge. On passe sur ce côté-là. Et là, on va la récupérer, voilà, juste ici. Et enfin, donc la troisième cage de survie se trouve en réalité juste à côté du sac à dos. C'est la dernière que j'ai récupérée pour ma part, donc je reprends le même chemin. On balance une corde pour pouvoir monter en rappel donc sur la plateforme supérieure. Et ensuite, il faut arriver à descendre, donc se tourner correctement. C'est pas forcément évident, mais il faut arriver à descendre sans tomber, bien entendu. Et une fois qu'on est bien positionné, donc la caméra doit être positionnée dans le dos de Lara pour pouvoir descendre correctement. Après, on descend en rappel et ensuite on peut se balancer. Et la cage de survie sera juste devant. On la voit briller d'ailleurs, on la voit briller un petit peu pendant que je me balance. Et là, vous pouvez récupérer donc votre dernière cache de survie à Cozumel. Et ainsi, vous avez récupéré les trois caches de survie de Cozumel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, je te laisse mettre un gros pouce bleu. Tu peux aussi me laisser des commentaires car je les lis absolument tous. Et pour poursuivre ton visionnage, je te propose la dernière vidéo mise en ligne en haut à gauche ou celle que j'ai spécialement sélectionnée pour toi en bas à droite. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube sans oublier d'activer la cloche pour ne surtout jamais rien rater.